tous et toutes très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR sur Fortnite, comme vous l'aurez vu, en arène division 5, donc c'est un gameplay de il y a quelques jours. Et je vais simplement le commenter en faisant quelques petites triggers. Voilà les gars, c'est tout. Les gars et les filles bien évidemment, pardon, j'ai parlé sans faire exprès. Alors, je vais discuter un petit peu avant de faire des triggers, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, liker si vous voulez, voilà, ça fait toujours plaisir. Parce que dernièrement, voilà, je voulais vous remercier tous et toutes pour le soutien qu'on m'a apporté. Énormément de likes, énormément de vues, énormément de commentaires. En fait, vous m'avez donné beaucoup de force dernièrement et ça fait extrêmement plaisir. Ça me pousse en fait à faire des vidéos et tout, surtout en cette période de confinement pour beaucoup. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous, ça doit pas être facile non plus. Donc forcément, moi ça me pousse à faire des vidéos ASMR pour vous, en fait, voilà. Moi évidemment je prends beaucoup de plaisir à en faire du coup. En plus, avec le PC, c'est un vrai bonheur de faire tout ce que je fais, donc je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Et pour vous remercier, bien évidemment, je fais des vidéos très tard le soir, justement, pour vous. Donc voilà, grand merci à vous pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Actuellement, on est 138 abonnés à l'heure où je vous parle. Pourquoi pas les 150 bientôt, ça serait vraiment incroyable. Quand je me suis lancé sur YouTube, vraiment... Pour moi, atteindre 100 abonnés déjà, c'était exceptionnel. Et plus ça avance, plus je me dis, mais en fait, je monte. Mais quand est-ce que je vais m'arrêter? On vise le million d'abonnés d'ici 2-3 semaines, je pense. Non mais vous voyez, ça fait vraiment très plaisir de voir que ça vous plaît. Mon travail me plaît. Je vais certainement prochainement faire un autre type ASMR. En ce moment je fais de l'ASMR, depuis le début de ma chaîne je fais de l'ASMR gaming, mais ma chaîne n'est pas censée être que du gaming en fait, donc peut-être que je ferai un autre roleplay un petit peu humour, je pense, parce que les roleplays non humour c'est pas trop pour moi, ou alors simplement une vidéo en mode tapping et j'essaierai de faire une handcam comme on dit, c'est-à-dire une vision de mes mains. Voilà, donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais voilà, en fait, je vais vous dire juste, hop, je prends mon téléphone, je vais aller sur les analytics YouTube, donc en gros, toutes les stats, si tu veux, qu'on peut avoir sur ma chaîne, parce que dernièrement, c'est un truc de ouf, ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. On va regarder sur les 28 derniers jours, voilà, sur les 28 derniers jours, j'ai fait 1720 vues du 7 mars au 3 avril. Et en gros, depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai fait 4618 vues. Alors attends, que je regarde juste quand est-ce que j'ai commencé en fait. Parce que je sais même pas moi. Je sais même pas. Bon bref. Et sur, donc j'ai dit 28 derniers jours, 1720 vues. Donc en hausse de 84%. Et sur les 7 derniers jours, alors là, 808 vues, voilà, sachant qu'il n'y a pas la vidéo Fortnite, deux vidéos Fortnite que j'ai faites ont atteint 400 vues, c'est un record absolu, j'avais jamais atteint les 300 vues auparavant, et là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Sur les 28 derniers jours aussi, 108 heures de visionnage en moyenne, c'est énorme, pour moi c'est énorme, vraiment. Alors il y en a qui font ça en une vidéo, bien évidemment, mais pour quelqu'un qui a... moins de 140 abonnés, c'est énorme. 108 heures, je suis en hausse de 84% sur les 28 derniers jours, et sur les 7 derniers jours, 50 heures de visionnage sur les 7 derniers jours, c'est peut-être plus parlant pour vous. Il y a 50 heures, il y a 50 heures qui ont été visionnées sur mes vidéos lors de la dernière semaine en fait. Et du coup, en total, je suis à 242 heures. Alors que j'ai commencé il y a 4 mois YouTube, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire, genre sur les 4 dernières semaines, donc dernier mois en gros,
108 heures de visionnage depuis toujours, 242. Ça représente, bon, pas la moitié, hein, on va se calmer, mais ça représente déjà beaucoup en fait. Ensuite, en termes d'abonnés, bah, sur les 28 derniers jours, j'ai pris plus 29 abonnés, ce qui est pas mal. Et surtout, sur les 7 derniers jours, j'ai pris 16 abonnés en plus, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, les deux dernières semaines, en gros, ça a explosé en fait, et ça fait vraiment très plaisir. Mais ouais, c'est exceptionnel en fait de voir ça, c'est trop cool. Des vidéos qui atteignent les 400 vues, mais je comprends pas en fait, ça fait vraiment plaisir. Il y a ASMR Fortnite chuchotement, 403 vues, 41 likes, 41, c'est énorme. Mon autre vidéo Fortnite, je t'apprends à jouer, 437 vues, 30 likes, c'est complètement dingue. Je pensais jamais vraiment faire ça, en tout cas pas dans. Pas récemment quoi, j'ai que 138 abonnés comme je te disais. Taper un 400 vues, ça fait vraiment plaisir. C'est super, en plus avec des watch times, c'est-à-dire des temps de visionnage qui sont très 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 bons. Hein. Pour ASMR Fortnite, je t'apprends à jouer. On a 3 minutes 37, ça a un peu baissé parce que forcément, voilà. Mais c'est déjà énorme. Pour ASMR Fortnite, chuchotement. 3 minutes 03, pareil, ça a un petit peu baissé, mais c'est excellent aussi. Pour la vidéo Fortnite, mon meilleur top 1, la 6 minutes 11 sur 153 vues, c'est complètement dingue. Et en fait, bah voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que mon contenu vous plaît. Bon, je vais arrêter de vous remercier, mais voilà. Pardon pour le bruit, je l'ai jeté tel un gros gitan. Mais voilà, on va un petit peu commenter du coup le gameplay. Là, directement, je prends un fight à ce moment-là. Skin poisson, comme vous voyez, en plus je t'ai pas dit, mais je suis en mode performance, voilà. Du coup, c'est un petit peu bizarre le jeu, mais moi je préfère comme ça, je trouve plus beau, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je suis en 2 Terranopi là, je crois, parce que le jeu est un peu bizarre. Directement, je vais fight skin poisson. Vous verrez, j'ai un petit peu progressé au niveau du placement, de mes placements, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. En fait, bon, j'ai pas des mécaniques de dingue dans le jeu, d'accord. J'ai des bonnes mécaniques, mais je suis pas incroyable non plus. J'ai un shoot qui est bon, pas incroyable, j'ai quand même bien récupéré. Comme vous le verrez là, hop, petit kill. Je l'ai pas mal défoncé, on va pas se mentir. En fait, je suis pas un joueur qui est exceptionnel, mais j'ai quand même des bonnes mécaniques qui pourraient me permettre de monter genre division champion en arène, ça serait possible, tu vois, je pense. Mais le problème que j'ai, c'est que comme j'ai pas avancé en même temps que tout le monde, et que j'ai repris y a pas si longtemps que ça finalement, y a un mois, je sais plus. Bon bref, ce qui fait que tout ce qui est placement, piste contrôle, notamment le fait de me protéger, etc., bah, je le fais pas en fait. Et ça c'est problématique, parce que ça me permettrait de faire genre facilement des kills. Là, vous allez le voir, j'ai 2 kills. Il y a un moment donné où je vais faire pas mal de kills. Parce que je joue bien, mais ça, je le fais pas tout le temps, en fait. Il faut que je pense à me protéger, et je le fais pas tout le temps, donc ça, c'est problématique. Donc là, je vais farmer un petit peu de bois, parce que, bah, comme vous le voyez, j'ai plus de bois. On va être dans le top 25, tranquillement. Vous voyez, je venais tout juste de passer les 2000 points. Donc, type 5, 2000 points. Et là, je suis div 6 parce que j'ai passé les 2500 points. J'ai failli éternuer là. J'ai eu trop peur. J'ai cru que j'allais éternuer. Donc voilà. Juste, je regarde. Ok. Ah oui, j'avais un autre truc à dire aussi. J'ai acheté. Enfin, j'ai commandé une nouvelle souris. Donc je vous ferai une vidéo un petit peu. Peut-être. Pourquoi pas un unboxing? Ça serait une vidéo un peu. Endcam, je vous présente ma nouvelle souris. Alors, le problème, c'est que je sais plus comment on appelle ça, les gens qui ont la phobie des trous. Je sais pas si vous voyez les trous, genre plein de trous alignés et tout. Il y a des photos comme ça qui sont horribles. On voit ça dans une main, ou les ruches d'abeilles. Tu sais, il y a des gens, ils ont peur des ruches d'abeilles parce que les trous comme ça, je sais pas, ça leur évoque un truc pas bien, quoi. C'est une phobie, une vraie phobie. Bon bah ces gens-là, malheureusement, faudra mieux pas regarder le unboxing. Parce que c'est la souris. Alors je sais pas si actuellement c'est encore le cas, mais à l'époque quand elle est sortie, c'était la souris la plus légère du monde.
je regardais un petit peu les souris qu'il y avait, parce que la mienne, c'est une skill corp. Enfin, bah non, au pire, je vous dirai lors de la vidéo unboxing. Au pire. Mais en fait, ma souris que j'ai, ça fait un an et demi que je l'ai, voire peut-être un peu plus. Et elle commence à fatiguer directement. Alors là, oui, pour le gameplay, je prends le fight en fait. Voilà, on s'en fout, mais je le détruis. Et vous allez voir, ça va être complètement laborieux. Bref, je disais donc, ma souris, ça fait un an et demi que je l'ai, elle fonctionne encore bien, mais je voulais passer à autre chose, d'accord? C'est une souris que j'avais payée. En fait, moi, quand je paye un truc de gamer, entre guillemets, je paye jamais très cher. J'aime pas payer des trucs chers. Donc j'avais acheté cette souris qui est très bien, d'accord? Qui fait le taf, mais j'ai voulu passer un petit peu au-dessus et avec une souris plus légère, parce que le problème que j'ai, c'est que comme moi j'aime bien jouer avec des sensibles relativement basses, bah, je suis obligé de faire des gros mouvements de bras. Sauf que quand tu joues 2 heures d'affilée à faire des mouvements de bras dans tous les sens avec une souris qui est assez lourde, et bah franchement ça te tire sur le bras et ton level est claqué du cul en fait, tu deviens nul. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu passer sur une souris vraiment légère, voir ce que ça fait. Et on fera un unboxing et peut-être un test pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, il y a un autre mec qui est venu dans le fight. Ah, Pony Burbs. Donc on va avoir un mec en face de nous. Clac, 152. Je vais lui mettre full dégâts. Là, il a un HP, mais je me dis... Tu vois, je me dis, bon, je vais reprendre tranquillement. Je joue calme. J'ai du reshield, donc je peux me mettre bien, tu vois. Donc je préfère tempo un petit peu. Je recharge toutes mes armes. J'ai un bon stuff, franchement je me dis mais pourquoi aller le fight tout de suite, tu vois, il n'y avait pas trop d'utilité à ce moment-là, il m'a rush un peu comme un gogol. Même s'il est resté un HP, je lui mettais une balle, c'était réglé. Je préfère tempo. Bon du coup je vais faire que chuchoter dans la vidéo, hein, je pense. Ce sera un ASMR chuchotement et c'est tout. Le mec qui ne prévoit rien à l'avance, yes. Donc là, je vais rester un petit peu en haut. Là, c'est un problème que j'ai, c'est que je suis pas assez agressif. Clairement, là, si j'étais agressif, ça aurait pu me permettre de régler le fight très vite. Mais ça, c'est un énorme problème que j'ai. Directement, lui, il essaie de me fight. Il prend un moins 100. Je me prends la PM. Je commence à spam un petit peu. Heureusement, mon aim me permet de le tuer. Là, il y a un autre mec. Du coup, l'autre mec que j'avais détruit, qui vient à 6 mètres. Je reprends la hauteur avec mes petits 90 relativement propres. Je tente une balle, elle passe pas, je sais pas trop pourquoi, mais ok. Il essaie de remonter, je lui remets pas la balle, là j'ai choqué, on va pas se mentir. Le mec arrive sur moi, il essaie de reprendre. Il arrive à passer, je crois, attends. Ouais, en fait j'arrive pas à prendre mon edit. Sauf que là je lui mets une énorme balle. Et là je me dis je vais spam, je le spam. Et j'arrive à le tuer, il me restait plus beaucoup de vie en fait, 42 je crois, ouais c'est ça. Il aurait pu tout à fait m'avoir. Donc je prends de la viande, le space 12 tranquillement, je descends parce qu'un mec essaie de casser. Directement je commence à build parce qu'il y a un autre mec en face qui essaye de me fight, qui me tire plus dessus. On sait pas trop pourquoi, mais écoute, pourquoi pas mec. Je vois que ça fightait un peu là-bas, je regarde, le mec s'est cassé au fond comme vous le voyez. J'essaye, je mets une petite balle. Et là, je me dis, bon, je vais tout casser, au pire, ça va aller vite. Voilà, exactement. Et puis, je vois un mec au fond. J'essaie de shoot. Vraiment, là, c'est une période de tempo. Pour moi, en tout cas, j'essaie de temporiser tranquillement. Parce que je suis top 14, que j'ai 4 kills, et que c'est déjà pas mal. Je fais une game à 150 points, je sais pas. Enfin, je fais une bonne game. Il y a un mec qui est là, qui essaie de spammer. Je me dis, bah, tu sais quoi, hop, on va jouer le buisson. Les bushs qui sont ultra forts dans cette nouvelle saison, faut le dire. Il y a un mec qui est là-bas, je me dis, ah, si je le fight, je vais lui mettre quoi? Une balle, deux balles. Et peut-être que je vais me faire backstab, donc ça sert à rien. Je me dis, ça sert à rien de prendre un fight là, on va attendre. Et bah, franchement, j'ai bien fait pour le coup d'attendre, vous allez le voir. Directement, en fait, j'entends le mec qui est là, qui commence à bouger, et en fait, je le vois pas, mais il va. Si je me trompe, voilà, il va repartir. Le mec qui était là, que j'entendais, et j'entends un autre mec en fait. Lui il va repartir, vous allez voir. Clac, je vais pas le fight, parce que j'entends un autre mec là. Que je vais voir arriver, sortir du bush. Je vais le voir monter, et là je me dis, s'il me saute dessus, je vais lui mettre un taquet dans la tête, gros. Il va se prendre une putain de parpaing dans la gueule.
313, allez, là tu t'y attendais pas. Il est là, hop, j'édite, je réédite, il est là, j'arrive à bien prendre. Là pour le coup, j'ai bien joué, je trouve, ce kill-là. Même si évidemment je lui mets une grosse bastos quand il arrive dans le bush, derrière j'ai bien joué. Et je prends mon cinquième kill. Il y a un autre mec qui commence à essayer de me rush, je comprends pas trop pourquoi. Il arrive sur moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Fais pas le malin. Ouais, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il me rush pas. Il me rush pas, le mec, clairement, il me rush pas. Le mec, il s'en fout. Il se casse. Vous allez voir, hein. Moi, je vais faire attention. Je me dis, mais pourquoi il me tire pas dessus? Et ce gros gogol a pris un fight de l'autre côté. Alors que moi, certainement que j'étais low, voilà, tu vois. Il prend un fight là-bas. Y a aucune raison. Aucune raison. Et je prends un kill volé. Voilà, je vole le kill. Je tape le top 10. Comme vous le voyez, je fais une game à plus de 200 points. C'est plutôt cool. 6 kills, c'est pas mal. En soi, pour moi, c'est pas si mal que ça. Parce que c'est pas une game qui est très stack, c'est-à-dire il y a des box de partout. C'est une game vraiment chill. Et, là, je vais commencer à shoot. Bon, je loupe mes balles, malheureusement. Je vais aller les fight eux, en fait. Je savais très bien qu'il allait sortir sa tête de là. Donc directement, je build. J'ai eu un bon réflexe. Ça revient, les réflexes. Là, je vois que je peux casser. Ça tient sur rien. Hop, je vais directement aller le fight. Il y avait deux mecs, en fait. Deux mecs là-dedans. Je commence à essayer de partir. Je vois que le mec est coincé dans son cône. Mais en même temps, je me dis, ah, il y a l'autre. Qu'est-ce que je fais? Donc là, j'essaie de tempo. Et encore une fois, c'est ça le problème. Je tempo trop longtemps, en fait. Là, j'aurais dû aller direct. Je prends le mur. Je lui mets un 108. Pour moi, je peux le détruire, hein, clairement. Je suis censé le détruire. Mais il y a un autre mec qui se ramène à la fête, malheureusement. Je vais y aller discret. Et boum, petite balle. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir été discret, il y a un autre mec qui vient backstab. C'est ça le problème quand t'es discret. Ok, là, j'arrive un petit peu à me débrouiller, histoire de lui mettre la pression. Hop. Pour moi, il va arriver sur moi. Je vais le détruire. Là, clairement, je l'ai détruit, on va pas se mentir. Je vais essayer de me mettre une grosse pote. Je vais réussir à me mettre la grosse pote, du coup. Il y a encore un mec en bas qui a pas bougé. Top 6. 7 kills. Là, vous allez voir, je vais faire n'importe quoi, malheureusement. Je trouve que je vais faire n'importe quoi. Là, je l'entends se soigner. J'aurais dû le push, mais direct. Mais en fait, il y a la zone qui bouge. Je redescends, je sais pas quoi faire. J'essaie de reprendre la hauteur. Clac, je reprends la hauteur. Et en fait, je vais faire n'importe quoi. Franchement, là, je suis dégoûté. Parce que je vais faire n'importe quoi, clairement. Je vais full tir, voilà, directement. Je vais pas faire top 1 dans cette game. Ce mec va me détruire parce que je fais n'importe quoi. C'est là que je me dis, j'ai encore beaucoup de taf. J'ai la hauteur. Et là, je vais descendre comme un gogol. Là, évidemment, bah, je vais cramer du build pour rien. Lui est en hauteur. Il va bien se protéger, mais c'est moi qui a fait l'erreur, là, clairement. C'était à moi de le détruire. On fait quand même top 5. Voilà, une game à 200, 250 points. Je me cache, je reprends du build. Il va me rush, logique. Parce que je suis un peu en PLS, évidemment. Bon, mes extends sont relativement fast, mais je perds trop de build en fait à faire tout ça. En regardant, tu vois, tu comprends. Je lui mets une bonne balle. Là, je dois le push. Là, je dois lui mettre la pression. Sauf que c'est pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais temporiser. Je vais essayer d'attaquer, mais je vais temporiser. En fait, je vais mélanger mes pinceaux. Voilà, je vais me mélanger les pinceaux. Et je vais rien pouvoir faire, tu vois, je le vois là. Mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de casser. Je me prends une grosse bastos, bien évidemment. Bon, il chatte un peu sur les dégâts, mais bon, voilà. J'essaie de me cacher. J'essaie de me mettre du mini-shield. C'est assez intelligent. Mais voilà, on sent que je suis en pression. Le mec est là. Là, je suis censé quitter ma box. Franchement, pourquoi j'attends? Aucune idée. Aucune idée. Là, je suis censé me casser de la box. Bah oui, évidemment, il arrive à reprendre mon mur. Je loupe ma balle de pompe. Je commence à le spammer. Il me détruit. Voilà, donc ça sera la fin de la vidéo sur ça, les gars. J'espère que ça vous aura plu.